Et bonsoir à tous, on est parti sur une nouvelle petite présentation de map, les amis. J'espère que vous allez bien en ce jeudi. Cette petite vidéo-là, elle va sortir vers les 19h30, je pense, parce que le temps que je fasse un petit peu le montage et que je la mette sur mon site YouTube, comme ça vous pouvez vérifier et regarder comment ça se passe sur cette petite map. Quoi, petite map entre guillemets, parce que c'est une map, j'ai été la voir, hein, donc j'ai été faire un petit tour quand même pour spoiler un peu 2-3 trucs. Il y a des petits trucs assez intéressants à regarder, qui est bien d'ailleurs. Après, bon, c'est libre choix de faire ce qu'on veut aussi sur les parties. Merci encore une fois aux 738 abos. Merci à vous les amis. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Et c'est bientôt le week-end, donc ça va le faire. Allez les amis, on part sur la petite présentation de map. Donc voilà, donc c'est une map assez grande quand même. Hein. C'est pour moi, c'est du gros gros matériel qu'il faut. Sur cette partie là, j'ai pas regardé si on a du matériel, je pense pas, non on n'a pas de matériel, donc voilà, ce sera libre de votre choix si vous venez sur cette partie là. Donc moi ce qui m'a plu c'est le PDA, bon ok bah c'est des grands champs, mais bon, voilà, très grande, grande, grande ferme, franchement il n'y a rien à dire, et on va exploiter après par là, on a des champs, on a 1, 2, 3, 4, 4 champs. Après les champs, je pense qu'ils sont assez durs à acheter, je pense, 300 000. Ouais. Il y a celui-là, il fait 450 000. Celui-là, il fait 1 200 000. Donc, c'est des très très grands champs. Mais bon, après, je pense que voilà, ça vaut le coup. Après, c'est un tout gros matériel. J'ai pas regardé tous les bâtiments, donc on va regarder ensemble. Si ça fonctionne bien. Alors j'ai vu qu'il y avait un ou deux trucs qui fonctionnaient pas. Par contre, voilà. Ah. Hop. Là-dedans, est-ce qu'il faut ouvrir la... Ah voilà. De là, il faut ouvrir la porte de là. Tout est animé. Tout est animé, les amis. Mais c'est un truc de malade. On entend super bien le bruit que d'habitude on n'entend pas quoi que ce soit. Donc on peut regarder en haut ce qu'il y a. Là, c'est pour mettre nos pièces. Hein. Hop, c'est un bâtiment, j'aime dire. Un petit cric. C'est bien foutu, hein, franchement, c'est très très bien foutu. Voilà, il y a les corbeaux qui sont dedans. Pardon, dans la maison, mais bon, ça fait un peu bizarre. Des très grands bâtiments, par contre, ça c'est. Ce que j'ai aimé, c'est la petite corde pour ranger son matériel aussi, c'est pas mal. Deux emplacements. Ça c'est plutôt pas mal. Là c'est le magasin quoi. Et là ça, franchement j'ai bien aimé. C'est ça. C'est qu'on voit nos vaches. Ah. Ah ah. Ça veut pas là. Ah si. Ouais. Tout à l'heure j'ai réussi à rentrer. Voilà. Une petite collision, donc peut-être que. Ah bah on peut rentrer par là aussi. Et regardez, on voit nos vaches. C'est très bien foutu, franchement, j'ai bien aimé. Ça m'a fait un peu sourire. J'aime bien ces genres de petits trucs là, des petites. C'est rien, mais bon, c'est toujours ça de. Hop. Là, c'est pour tout ce qui est maïs et puis tout ça. C'est très très bien organisé, franchement. Et tout est fonctionnel. À part un icône, mais je pense que ça doit être moi. Ça doit être là-bas, je crois. Alors tout à l'heure ça fonctionnait pas, hein. Alors peut-être que là avec nous hein, quoi, sur la vidéo ça va fonctionner. Vous voyez, là ça fonctionne pas. Je ne sais pas comment faire. Et le trigger, je le vois pas. On n'arrive pas à le voir le trigger. Alors, on n'arrive pas à voir le trigger pour le pâturage. Pour le pâturage, et là ça doit être pareil. Je trouve que là, ouais, c'est en hauteur. C'est peut-être pour ça. Ah. Ah, il est là, le trigger. Ok. Le trigger est ici. Donc, voilà. Donc, si vous jouez sur cette partie-là, pour acheter les animaux, ça sera ici, les amis. Hop. Hop. Donc, ça, c'est un bon petit point. Au moins, on l'a fait avec vous. Je l'ai fait avec vous. Là, on a un silo. Grosse cuve à lait, hein. Là c'est pas pour le lait, là c'est, ils sont où les cuves à lait là dedans, là c'est une pâture là où vous faites, d'accord, là c'est ce qu'on avait ouvert tout à l'heure,
très très grande ferme, comme on aime bien. Alors je ne sais pas si elle a une circulation, je pense pas. Le terrain qu'il y a. Hop, on va aller voir là-bas. J'ai pas été voir. Alors là, Oula, c'est un peu. Ouais. Donc là, je pense que c'est le petit silo. Ouais. Et je repense à un truc là. On va faire un essai. Allez. Ok, pour acheter c'est ici, ça se boîte bien. Spotter avec vous parce que là je ne savais pas, je vais pas regarder. Je crois que ça spot par là. Je crois que ça spot ici, non? Ça spot où les trucs? Il y a 2-3 petits trucs là, mais bon. C'est l'impression que des fois c'est pas fini, mais. Ah si, il y a. Bon, on va pas faire le con parce que tout à l'heure on va rester avec le boulot. Par contre, je voudrais bien voir mon tracteur. Ah d'accord. Ah, il spot à la ferme. Ah, c'est dommage. Il spot à la ferme, c'est un peu dommage. Et encore en plus, il spot un peu dans le champ. Bon, après voilà, c'est le choix du mappeur. Peut-être une erreur, on ne sait pas. Donc voilà, voilà. Si on peut monter là. Ouais, on va aller faire un tour en hauteur. Les champs, ils sont vraiment faits un petit peu, on voit les petites erreurs, le champ, mais bon, je sais pas si c'est volontaire ou pas. Mais bon, ça ne nous dérange pas, ça nous dérangera pas de jouer. Donc, ah oui, bah du coup, on n'a pas regardé. Regardez mon hauteur, du coup. C'est très grand champ. C'est ça qui est bon, c'est genre un Mac américain de toute façon. Ah, c'est un peu dommage. Les petits points assez positifs quand même pour jouer là-dessus. Bon, bah voilà, Lulu, on va s'arrêter là pour ce soir. Je serai en live sur Nouvelle-Islande vers les 20h30, 21h, quoi, 20h30, 20h45. Je vous souhaite une agréable fin de journée. Je vous dis à ce soir. Cette vidéo-là sortira vers les 19h30. Je vous dis à ce soir. Bon appétit et à tout à l'heure. Ciao, bye.